et moi prend visa. Merci bon Dieu. Visa m'nan même toute bagarre quoi qu'on a la moins légal. Dans tout sens du terme, m'a rentré en République dominicaine avec visa dominicain en forme. Voyage m'est fixé. Moi arrivé République dominicaine. Jour pour me voyager à moi arrivé airport dominicain décidé pas gain noir qu'a voyager dans Volza. Alors ça m'a dit ça. Comment ça s'est fait? M'a dit ça m'a frémi hein. Parce que moi j'étais content de des bagages racistes, moi content de des bagages qui rapport avec discrimination, même pas de gens qui ont chance vivre libre comme ça alors que ma voyage en 2010, moi des petits bagages qui passent devant moi. Maintenant on airport. Maintenant on airport. Il y a avion ou gain visa pays a en plus ou gain visa côté au Brésil, il y a pas qui de voyager. 11 haïtiens, 11 moun, moi je dis 11 moun parce que moi quoi gain on a pas haïtien. Nous 11 noirs. Le moi paraît dans ligne. Alors moi j'ai tout checké tout check, moi j'ai fini fait à un point à un tel point que le avion a décollé et mallette malé. Et c'est mallette tout gain fini fait checking, mallette tout gain dans avion hein. Yo pas quitté aborder avion. Pas quitté m'aborder. Le moi vient dans dernier poste avant pour m'aborder. Le moi vient dans dernier poste immigration, yo dit moi payer $100 américains. M'pa gon justif, pa gon justif. Ou pa de gen, ou pa de dépasser moi dans pays. M'pa dépasser moi dans pays. Pa gon justification. Ça qui est plus énervant, c'est que pa de gon justification. Yo fò fon won, al nan bureau sa. Yo fin pa la voie, yo garde passeport, tout bagay légal, yo fò al campé. Yo fait temps jusqu'à ce que pour avion décolle. Frè pa, mou ka pa kwem. Et comme gon non gon communauté, m'espère moun ki te sou vol sa, ensemble avec m. Ça m'a parlé en la passé en juillet 2023. 11 noirs à ton vol. Depuis dans ligne là, yo recevoir blanc yo non ligne, yo recevoir monde de couleur yo non ligne. Depuis là me dit en 2024 première fois dans vie, en 2023 première fois dans vie m'a vivre en bagarre dans niveau ça. Moi dit it's not fair. Comment ça fait possible? Mon compte de monde a parlé même pas de vivre, pas de vivre. Quoi moi si nous voulons et me penser que dans communauté pour là peut-être qu'un monde qui est dans vol ça, cap garder. Le avion décollé, agent immigration campé bat bravo. Bat bravo parce que nous rater vol. Campé une corée l'autre y a brillé puis on a gardé l'autre y a fait ici. Que fait 11 noirs à ton vol. Depuis le ça, me dit racisme existait vrai. Me dit juste pour qu'on gagne occasion. Pour qu'on gagne occasion pour me faire face à elle dans niveau ça. Kounya là, il se trouve que mallette m'a gétan allé. Kounya moi même m'a monté descendre en Amérique si on connaît qui le mallette m'a tout. Et quand on gétan arrivé à faut checker sorti dans immigration encore. Carrément. Ou bien, faut que j'ai une solution pour jouer nos vols pour aller quand même. Faut que j'ai une solution. Finalement, yo accompagné nous. Yo accompagné nous. Yo fait nous quitter. Yo fait nous retourner. Ressortir dans l'important. Et puis, c'est fini dossier à tout le monde. Et mallette qui allait. Alors, dis mallette qui allait, aller dans tel. Aller réclamer. Et puis, Abdou qui l'a tourné, patati patata. Le dossier s'est arrivé au Mexique, mes amis, tout le monde paralysé. Ça dit, mon public ici, en suspense. Ça ne va pas passer à monsieur ça. Ça ne va pas passer à monsieur ça. $100 américains ont demandé à c'est juste un coutaille. Un coutaille, frère. Si tu mets $100, tu as voyagé. Comment tu as à malgré que tu payes $100, tu as voyagé. Moi, frère. Je suis tellement pas de force pour me lutter encore. Je paye $100. Tu as bloqué quand même. Wow. Ça a duré là. Donc. Il y a des gens qui ont gardé la gueule, pas courir ça, oui. C'est dommage que moi, parce que tout dossier ça a constitué la carrière et peut-être dans l'autre occasion que nous avons chuté avant nous avons des documents m'a prouvé bagage ça m'a dit là que m'a voyé par mon ici parce que mon Mexique pas avec moi alors pas que yo quoi mais yo bagage là tellement étrange pour yo il paraît bizarre il paraît bizarre qu'on m'a voyé pour m'a dit mais ça se passe mais il dit mais non nous pas croire bagage ça. Et mais finalement, comment t'es fait arriver voyager pour arriver ici de la Gonia? Eh bien, frère, moi retourner dans le cadre côté de l'hébergé Saint-Domingue. Et puis, l'homme contacté l'agence dit que le premier bagage de l'hébergé ou Capacouem, on va obligé de changer de ligne aérienne. Parce que moi, t'es pris une ligne aérienne qui pas une ligne ici. Hein? C'est pas une ligne dominicaine, Arajet. Arajet, moi, t'es pris. Arajet, c'est pour yo. C'est pour Dominique. On dit pas voyager avec elle. Pas voyager avec elle, elle dit, je me disais, dès le début, elle m'a dit, je te dis, ça vrai. Mais je me trouvais pas quelque chose bizarre. C'est qu'à Aéroméxico. Quand elle dit, Aéroméxico pour prendre. Quand elle a la frame, mais moi-même, quand je me suis tout petit dans mon petit monde pour me dire, travail là, je ne sais pas. Il faut acheter billet pour moi. Alors, il faut acheter billet parce que jusque-là, c'était moi qui t'ai dit. Tu as géré tout le bagage. Tu as géré tout le bagage. Quand elle a dit, je ne sais pas rien encore. Bagala a alarmé tout le monde. Quoi me souvler?
yo font fundraising pour moi ici. Kounya, kounya jamais dans histoire institution ça va jamais fait. Le kounya là, yo fin faire fundraising nan pour moi ou pas quoi. Moi voyager, moi monter avion normalement m'atterri Mexique, là moi vais Mexique, moi vais dans deuxième porte là. Moi arrivé me vienne deux lignes. On ligne pour mon couleur, on ligne pour mon noir. Là arrivé dans Haïfa. Là arrivé Haïfa, moi je viens même traitement que ce domaine là. Ça qu'a passé comme ça. Frère, moi par contre si pour me crier, moi par contre si pour me faire colère, moi par contre si pour me relambrer, moi je viens deux lignes. Qu'on a beaucoup histoire drame n'a pas fini non. On a allé, nous que tout le temps devant. Moi j'ai deux lignes. M'a demandé moun ki nan ligne nan avion on dit mais tout à l'heure avant moi il dit oui et nèg noir il faut comme ça moi dit quand on tente ça non 2023 pour m'attendre discours ça mais c'est première fois m'entendre ça tout parce que m'étais chance et voyager dans n'importe la Samélica c'est pas comme ça tout le monde dénonce elle à me passer semaine ça va attendre des bagages scandale qu'a fait non oui oui m'entendre pile bagage depuis moi oui moi même moi t'étais en vive bagage ça frère pam ou peut-être pas t'attendre à tout dans ça m'bra le bon story l'homme rivé airport Haïfa. Yo checké, yo checké, yo checké. Mon a passé fap 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 fap. Et puis moi, on commence à mettre mon sur côté. Là, on arrive sous moi. Mon a fait passer, poser deux questions. Bienvenue, faire passer. Distance en pas là, voilà, là, m'étant sous 9-10 questions. Et vous, vous allez toujours. Oui, parce que. Mais à l'époque, t'avais un paquet haïtien tourné. Mais, faut comprendre tout. T'es un phénomène faux visa mexicain. Il y a deux ans, il y a un amet. Oui. Un DJ très connu. M'a dit qui est-ce qui te prend en bas, ça, un amet. Mais braclé ensemble avoir faux visa mexicain. Attendez, même braclé ensemble avoir. Sous madame qui institution m'a travail. Alors m'a pas la voir. Service dans Haïfa mon yo capable quoi ça, yo même gain des documents en français. Oui, yo oui. Gain espagnol, anglais et français et moi même travail tous les trois langues ça. Ça veut dire au monde pas ca dire que c'est tellement m'pas comprendre rien. Yo visa authentique. Yo visa authentique. Yo a tout papier légal et puis tout support président association, une association internationale. Président association ici au Mexique Bayaval pour m'entrer dans pour dire monsieur ça nous reconnaître lui voilà. Nous bal toute couverture possible l'homme arrivé dans l'aéroport là incroyable mais vrai incroyable mais vrai l'homme arrivé dans l'aéroport là l'homme sous n'importe 9 10 je vais poser mon dernière question c'est le ça moi que n'ai pas recevoir dans pays hein oh. Yo dit me comme ça est-ce qu'on a démontré nous qui ça faut mériter un job comme ça. Un gros bagage qui saute dans PM qui monte, qui part retourner descendre encore. Et puis dis ça sans pas la voilà, m'étant gon bonne dizaine de soldats quand trouvé. Qui cause ça? Nèg, moi dis agent, ou ka reprendre question pour moi? Ça veut dire que là m'a pas ensemble avoir moi tout un service qui parle en trois langues. Ça veut dire que m'a pas besoin de monde que m'ai background dans langue non, ça veut dire que m'ka défendre tête moi. Il dit monsieur m'a reprendre pour. Ou ka démontrer ça qu'il faut mériter job ça. Jou ça me prend soufflette monumental. Un point soufflette historique pour m'a demandé qui ça qui baille un monde droit parce que ou pas c'est pas ou ka m'embaucher m'ka dit m'embaucher déjà comment pour demander dans immigration qui ça comment m'ka justifier compétence qui compétence comme pas gain compétence depuis en Haïti on comprend pas ta prendre tout engagement ça pour déplacer ou sortir dans pays en Haïti qui difficile pour faire venir et puis m'bra le dire. Et tout dossier me kembe tout document me kembe dans même m'a justifier m'a justifier me dit waouh me dit nèg kounya yo dim ba et là moi ouais certainement nèg yo pas recevoir moi yo dim comme ça fais une simulation de travail moi là-bas yo l'aime dit simulation ça veut dire que mettons nous cas d'espèce en dans travail ou et puis défendre tête pour montrer pratique de manière pratique comment travail ou fait moi dépossédé de tout non moi parce que me senti que là nèg yo faut faire joujou là il a fait me faire joujou. Nous entrons dans la personnalité et là, je commence à remettre tête moi en question comme un nègre noir. Je demande tête moi tout le monde que nous se fait passer là. Pour qui ça pas de tout questionnement ça? L'homme voit les yeux, moi, que je suis pas seul monde qui est dans la catégorie ça. Il y a un groupe noir encore que vous prenez parmi lesquels vous êtes Jamaïcain. Frère Pam, quoi me souvenez ce jour-là, avion que je suis en Mexique, c'est lui qui prend mon coq déporté, je suis en Santo Domingo.